Voilà, vous le voyez sur ces images, les sénateurs qui se sont levés, les sénateurs socialistes qui se sont levés pour applaudir Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault qui vient d'achever près d'une heure de discours, un discours sur les collectivités locales. Regardez sur ces images, il évidemment attend que tous les sénateurs aient terminé. Et à présent, Nicole Borvo-Cohen-Séat, présidente du groupe communiste, est appelée pour prendre la parole à l'instant. Saluer en votre nom la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation de l'Assemblée constituante de Tunisie. Conduite par M. Imed Amami, président de la commission des collectivités locales et régionales de cette Assemblée. Elle a été accueillie au Sénat par le président Jean-Pierre Sueur, président du groupe d'amitié France-Tunisie. Comme vous le savez, la Tunisie s'est engagée l'an dernier dans un processus de réforme constitutionnelle. La visite de votre délégation porte une attention particulière aux dispositions relatives aux collectivités locales. Nous formons le vœu que cette visite lui permettra de mûrir sa réflexion sur la réforme engagée. Nous suivrons tous ici, avec une amicale attention, les travaux de l'Assemblée constituante. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénat français.